Shalom, 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 Shandari Bruce, Marie Brasse, Kete Abrando Robo, Shekete Abasanta, Jésus, 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 Jésus Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire shalom? Est-ce quelqu'un qui peut shalomer? Shalom, shalom. Rama Shandarebrus Kantarabashekete. Marie Broussakata, oh shalom, shalom, ma fille Prisca, shalom, 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 Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, alléluia, gloire à Dieu, connectons-nous, bien-aimés, connectons-nous, nous allons commencer, connectons-nous, alléluia, Shekete Abroussandaribou, Marie Katabrous, Kantaraba, Shekete Abrandorobou, Shekete, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous attendons encore juste deux personnes à se connecter et nous commencerons. Oh, sois béni, ma fille Jackie depuis Reims. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Et très content alors de vous savoir connecté. Amen. Le Seigneur va nous faire énormément de bien. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Invitons, bien-aimé le Seigneur, oh, la servante de Dieu, maman Marie-Thérèse, la servante de Dieu, femme d'impact, shalom, shalom, shalom. Shalom, maman, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut inviter, bien-aimé, alléluia, invitons, bien-aimé. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Peuple béni de Dieu, peuple de Sion, bien-aimé dans le Seigneur, connectons-nous. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous allons commencer, bien-aimés. Nous allons commencer notre temps de live, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse une personne qui est disposée, qui est connectée. Au nom de Jésus-Christ, ne manquez pas de partager, bien-aimés, ce live. Ne manquez pas vraiment de partager dans vos différents cercles d'amis, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne manquez pas d'inviter. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions encore et au moyen de ce live, bien-aimés, dans le Seigneur. Cela est une grâce. Amen. Cela est une grâce, bien-aimés, et d'être encore connectés dans sa présence. Amen. Nous allons dire merci à Dieu. Merci Seigneur, oh Dieu.
et pour ton amour et qui nous a reconnectés, qui nous a rassemblés encore. Merci Seigneur, merci oh Dieu Tout-Puissant, car nous croyons Seigneur, oh Dieu, et derrière cela, il y a un plan merveilleux, Seigneur, que tu as préparé pour tes enfants. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons confesser nos péchés, bien-aimés, pour monter. Nous allons confesser nos péchés, bien-aimés, en reconnaissant et que nous avons eu à pécher. Et tout au long de ce jour, bien-aimés, nous avons péché. Et que quelqu'un soit reconnaissant devant le Seigneur que j'ai péché. Que quelqu'un sois sincère et devant la face de l'Éternel que j'ai péché et Seigneur, me voici devant ta face tel que je suis en te suppliant de me pardonner. Pardonne-moi Seigneur, oh Dieu. La Bible déclare que celui qui couvre ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu est disponible. Cependant, elle est réservée pour ceux qui sont sincères dans leur confession, ceux qui connaissent que j'ai péché, bien-aimé dans le Seigneur. La miséricorde de Dieu est réservée à ceux qui reconnaissent leur faute, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles comme nous. Alléluia. Je reconnais mes faiblesses et dans mes faiblesses, je suis tombé, Seigneur, oh Dieu. Je viens pour te supplier de me pardonner et comme il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle. Alléluia, bien-aimé. L'occasion t'est donnée de confesser tes péchés, bien-aimé. Ne dors pas avec ce péché. Alléluia. Oh, bien-aimé, laisse-moi te rappeler que, et en ce jour, et depuis le matin, tu as insulté quelqu'un. En ce jour, depuis ce matin, tu as dit du mal d'une personne. Depuis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu as jugé, oh, tes semblables. Depuis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu as péché. Tu as péché, bien-aimé. Mais est-ce que tu peux reconnaître que tu as péché? Alléluia. Tu as mal orienté une personne. Alléluia. Tu as mal conseillé quelqu'un, bien-aimé. Est-ce que tu peux reconnaître que tu as péché? Alléluia. C'est une opportunité, bien-aimé. Nous sommes devant le roi de gloire. Nous sommes devant la face de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui que Jean-Baptiste a présenté, Erabosaya. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le pardon est disponible, la grâce est disponible, bien-aimé, la compassion est disponible. Oh, oh Seigneur, aie compassion pour une femme, aie compassion pour un homme, aie compassion pour quelqu'un qui est sincère devant ta face. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché, Seigneur. J'ai failli, oh Dieu, alléluia. J'ai failli, Cerebo Santana. J'ai été négligent. J'ai négligé de prier. Regarde comment tu as négligé de prier. Regarde comment tu as négligé de lire la Bible, alléluia. Pourtant, Dieu t'a donné du temps, mais tu n'as pas su convertir ce temps en temps de prière ou en temps de méditation de la parole de Dieu. Demande pardon à Dieu, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps que Dieu nous donne, Rebo Saya, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour l'utiliser à bon escient et pour sa gloire. Bien-aimé, qu'as-tu fait du temps que Dieu t'a donné? Après le travail, tu as fait quoi? Avant le travail, qu'as-tu fait? Pendant la pause, tu as fait quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Qui pourrait dire qu'il n'a pas vaqué dans les réseaux sociaux? Qui pourrait dire qu'il n'a pas pris du temps et pour consulter ses messages? Qui dirait qu'il n'a pas pris le temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour répondre aux messages? Alléluia. Mais combien de temps as-tu donné à Dieu? Combien de temps as-tu sacrifié pour le Seigneur en ce jour? Demande pardon à Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être sincère et abarebo ça? Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Jésus, alléluia. Il n'y a que toi qui peux me pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le péché que tu as commis, et quand il pardonne, il oublie. Le seul qui est capable de pardonner et d'oublier. L'homme a une mémoire. Alléluia. Nous retenons tout le mal qu'on nous fait. Mais Dieu est le seul capable de pardonner et d'oublier. Oublier, ça veut dire que je ne me souviens plus si tu avais péché. Oh, quel Dieu! Et il efface par son sang précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il efface par le sang. Est-ce que nous pouvons demander au sang précieux de Jésus? Alléluia, d'effacer. Demande à Dieu d'effacer nos péchés
par le sang versé à la croix. Que le sang précieux de Jésus, allez, vienne maintenant, allez, nous purifier complètement, alléluia. Que le sang de Jésus nous nettoie au plus profond de notre être. Que le sang précieux de Jésus te lave complètement. Oui, que le sang précieux de Jésus versé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans vienne te sanctifier dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, dans les trois dimensions de ton être, que tu deviennes complètement sanctifié par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, le sang qui efface les transgressions, le sang qui annule le péché, le compteur est remis à zéro à cause du sang précieux de Jésus. Dieu ne se souvient plus que tu avais péché, car il a effacé. Ce qui est effacé n'existe plus, ce qui est effacé n'est plus apparent, ce qui est effacé n'est plus visible. Alléluia. Oh, quelle grâce. Rebo sayaba rebo. Oh, quelle grâce. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de ce que tu m'as pardonné. Merci de ce que tu m'as purifié et de tous mes péchés, Seigneur. Oh Dieu, merci mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Toi seul es monté à la croix. Toi seul as payé le prix. Alléluia. Le prix de ma justification. Oh, merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Gloire te soit rendue. Merci Jésus. Divine, est-ce que tu peux monter ma fille divine? Monte encore, demande pardon à Dieu. Demande au sang précieux de Jésus-Christ de purifier ta bouche, de purifier tes oreilles, de purifier tes yeux, de purifier ton cœur. Tu as médité le mal, alléluia. Tu as été hypocrite. Hey, abadebo. Seigneur, purifie-moi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour toute la journée qu'il nous a accordée, bien-aimés. Nous avons eu à vaquer à plusieurs occupations, bien-aimés, mais la main de l'Éternel était toujours sur nous. La main puissante de Dieu, alléluia, était toujours à côté de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Combien étaient sortis, mais ne sont jamais rentrés? Est-ce qu'ils, parce qu'ils avaient péché plus que toi? Est-ce que parce que tu es meilleur qu'eux? Non, mais la grâce de Dieu t'a accompagné. Hey, Yahweh, alléluia. Comment ne pas reconnaître la grâce de Dieu? Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur, tu as préservé mes enfants. Ils sont allés à l'école. Ils ont mangé à l'école. Alléluia. Je ne suis pas là quand ils mangent à l'école. Ce qu'ils mangent, je ne vois rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la main de l'Éternel est là, bien-aimé. Et voici que mes enfants sont rentrés de l'école. Comment ne pas remercier? Alléluia. Comment ne pas dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Merci Seigneur pour les forces que tu as renouvelées en moi, en me levant. Avant ce matin, alléluia, j'avais des lourdeurs. Je n'arrivais même pas à me sortir du lit. Santa, alléluia. Cette force m'a conduit, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci Seigneur, oh Dieu, je viens te dire toute ma reconnaissance et te témoigner l'expression de ma gratitude. Oh Dieu, alléluia, merci Seigneur, car jamais je ne te remercierai assez. Merci pour la santé, la guérison que tu me donnes. Eh hey, Yahweh, alléluia. Mais et si seulement cela était payant, qui pourrait payer? Qui pourrait payer pour le souffle de vie? Qui pourrait payer pour les opérations son cicatrice qu'il opère, alléluia. Et quand je vais voir un spécialiste, et pour une petite opération, bien aimé, les tarifs sont très élevés, alléluia. Mais quand lui, il t'opère, mais quand lui, il prend soin de toi, bien aimé, une consultation, alléluia, n'est même pas payant, ça n'a pas de prix, bien aimé. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Oh Seigneur, je reconnais, Seigneur, oh Dieu, oh que tu débordes d'amour pour moi, Seigneur, même avant que je ne te connaisse, Seigneur, oh tu t'étais déjà sacrifié pour moi, toi l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, avant que je n'existe, tu étais déjà l'agneau du sacrifice. Oh Jésus-Christ, alléluia, comment ne pas te remercier, Papa Yahweh, et Yabarebo Santa, pendant que j'étais encore dans la boue du péché, Seigneur, tu m'as racheté, comment ne pas te remercier, Papa Yahweh. Oh, j'aurais pu mourir, oh, dans le monde, j'aurais pu mourir dans l'alcool, j'aurais pu mourir dans le péché, j'aurais pu mourir dans l'impudicité, j'aurais pu mourir dans la cigarette. J'aurais pu mourir, Seigneur, oh Dieu, dans le monde. Oh, mais ton amour m'a racheté. Oh, tu n'as pas permis que je meure afin, Seigneur, oh Dieu, que s'accomplisse la mission pour laquelle tu m'as introduit dans le monde. Oh, quelqu'un peut reconnaître. Hey, Yabarebo, assurément, il y a une mission avec toi. Dieu a une mission avec toi. Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Dieu n'a même pas encore fini avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur? Hey, Yahweh, laisse-moi t'acclamer, Seigneur, oh Dieu, pour ton amour incroyable.
incommensurables, tes bontés qui sont sans fin et qui se renouvellent chaque matin. Hey, Abarebo Santa, ta fidélité est sans faille. Oh oui, la fidélité de l'Éternel est sans faille, même quand nous ne sommes pas fidèles. Je reconnais personnellement que je n'ai pas toujours été fidèle, alléluia, mais cependant lui, il demeure fidèle, parce qu'il est la fidélité, il ne change pas. Hébreux 13, 8 écrit, déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, quel amour, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie de dire combien Dieu est grand, alléluia. Oh, combien il est glorieux, Rebo Saya. Est-ce que nous pouvons l'adorer? Est-ce que nous pouvons adorer le roi de gloire, le grand roi? Il est là. Commence à l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Oh, tu ne peux manquer de sujet d'adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux manquer de sujet d'adoration. Est-ce que tu peux simplement dire, oh Seigneur, tu es grand, tu es majestueux, tu es souverain, alléluia, cela suffit à l'adorer. Yeshua Meshia, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, alléluia, il est le puissant de Jacob, alléluia. Oh, la verge d'Aaron, le bâton de Moïse, et Rebosaya, l'échelle de Jacob, la sagesse de Salomon, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, l'incomparable. Est-ce que tu peux l'adorer? Adore le roi de gloire, il est le grand roi, le roi des rois, le roi des rois, alléluia, le roi incomparable, sa royauté est incomparable, son règne n'a pas de fin, alléluia, son trône est éternel, il s'appelle Jésus, alléluia, oh, c'est mon maître et mon seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le seigneur des seigneurs, le dieu des dieux, le dieu tout-puissant, El Shaddai est son nom, Elohim, alléluia, oh, Adonai, alléluia, Adonai, Rabo Santa de Roboche, Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai est le maître de mon cœur, alléluia, Adonai, et Yabarebo Santa, Adonai Elohim, Rebo Seke, pendant que tu l'adores, Mareke Tebroske, il déploie des anges autour de ta maison, pendant que tu l'adores, Rebo Saya, sa puissance descend, pendant que tu l'adores, pendant que, et Yabarebo Santa, et Noroboche, alléluia, oh je t'adore, Seigneur, oh Dieu, tu es adorable, il n'y a point d'autre Dieu que toi, Jésus-Christ de Nazareth, l'enfant qui nous était né, le fils qui nous a été donné. La Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, oh Père éternel, Dieu puissant, alléluia. Et Yabarebo Santa, le salut d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Maribose, le rocher des temps et des âges, le rocher d'Israël, est-ce que tu peux l'adorer? Divine, adore le Seigneur, bien sûr qu'il est merveilleux, alléluia, il est merveilleux, il est magnifique, il est formidable, alléluia, oh celui qui dit un mot et la chose arrive, oh assurément il dira un mot dans ta vie et la chose s'établira, il dira un mot, pendant que tu l'adores, tu entendras une parole et qui sortira de ton intérieur, alléluia, oh Irebo Sakara, tout ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit, alléluia, oh il ne ment jamais, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Adonai, Erebo, Santaraba, Shekerebo, Eyawashaya, le puissant de Jacob. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de la justice. Oh, Raba, Sheker, la lumière du monde. Eyamarebo, ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Alpha, il est Oméga. Il est le premier, il est le dernier. Alléluia. Oh, Emmanuel est son nom. Dieu avec les hommes. Dieu au milieu des hommes. Dieu avec nous dans ce live. C'est Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, il s'appelle
Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Maranatha, Maranatha. Oh, Maranatha. Jésus revient. Jésus revient. Rebosaya. Il est Emmanuel, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon salut. Alléluia. C'est mon Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux faire de Dieu ta propriété? Il est mon Dieu, Marebo. Ton Dieu n'est pas mon Dieu. Alléluia. Oh, il est mon Dieu, Mareketebro. Le Dieu de mon alliance. Il a fait alliance avec moi. Alléluia. Jésus Christ de Nazareth. Il est le ressuscité du troisième jour. Oh, que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons Jésus, acclamons Emmanuel, alléluia. Briquet de l'Essonne, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Alléluia. Oh, le meilleur patron qui soit, Rebosaya, il ne retient le salaire de personne. Il est redevable à personne. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Le meilleur patron, le patron des patrons, servant de Dieu Sylvie Aponga, alléluia. Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, il est le rémunérateur. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Oh, Milolo, Milolo, Milolo. Maman Marie-Thérèse, Milolo, Milolo. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, gloire à Dieu, notre famille de la Martinique, de la Guadeloupe, dans les îles, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, mais n'empêche qu'on peut l'invoquer pour qu'il se manifeste, alléluia, autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, car en effet, sans lui, rien ne peut être établi. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, rien ne peut être réalisé sans le Saint-Esprit. Bien-aimés, et en ce temps, bien-aimés, de résurrection, vous savez que nous sommes entrés dans le troisième mois, alléluia, et qui est celui de la résurrection, le chiffre 3, la résurrection, bien aimé, il est resté 2 jours dans le tombeau, le troisième jour, Jésus-Christ est sorti du tombeau. La Bible déclare dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui a habite en vous. Alléluia. C'est le temps de la résurrection. Oh, la Bachaya, le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection. Marie Ketebro, oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et que tout ce qui était mort, alléluia, tout ce qui ne marchait plus, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était enterré, alléluia, oh, par la puissance de la résurrection, reviendra à la surface. Oh, Rebo, ça revivra. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a été déclaré? Qu'est-ce que tu remarques, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui ne marche plus? Oh, je t'annonce le temps de la résurrection. Je t'annonce la puissance de la résurrection. Alléluia. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et à Marébosque, je me souviens, Rebosaya, Jésus revenant sur Béthanie, alléluia, il reçoit une information que ton ami que tu aimais tant, Lazare, n'est plus et décédé. Rabasakarabro, et Yahwashakarabroske, pendant que les gens pleuraient, ils savaient qu'il était l'Esprit qui ramène les morts à la vie. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, oh, assurément va t'impacter. Le Saint-Esprit va t'impacter. Le Saint-Esprit impactera et tout ce qui avait été enterré de toi, tout ce qui était mort, va rencontrer la vie qui est Christ, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, alléluia. Oh, Yabarebo, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, et Yabarebo, quelles que soient les situations compliquées, quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit la maladie, quels que soient les diagnostics, alléluia, je te parle de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Jésus était mort à la croix. Il a été enterré. De la même manière qu'ils ont enterré tes finances, de la même manière qu'ils ont enterré ton sein, tes entrailles, de la même manière qu'ils ont enterré, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, Bosaya, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. L'Esprit du Père et Karabosa l'a ressuscité. Le même Esprit est venu habiter en toi. Bien-aimé, nous prions que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Rebosaya, ramène à la vie tout ce qui était mort en nous, dans mon corps, dans mes organes, autour de moi, dans ma maison, dans mes finances, dans mes projets. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui ne marche plus? Le Saint-Esprit ce soir, Marebosre, va relever tout ce qui était couché. Le Saint-Esprit de Dieu, Rebosaya, il est capable de relever les relations qui ne marchent plus. Il est capable de relever un foyer qui ne marche plus, un mariage qui n'a plus de vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, les projets qui sont bloqués, les projets qui ont été enterrés. Qui a enterré, bien-aimé dans le Seigneur? Hey, Marebosa, qui a enterré tes finances? Alléluia. L'Esprit de la résurrection va les localiser. Localisation. Localisation. Au nom de Jésus-Christ. Jésus pouvait dire à Marthe, Jean chapitre 11, alléluia, où l'avez-vous mis? Libosaya, où l'avez-vous mis? Alléluia, Rebosaya. Pendant que Marthe continue à pleurer, il sent déjà, oh oh oh, il sent déjà, laisse-moi t'annoncer, Rebosaya, oh, que l'Esprit de la résurrection est là. L'Esprit du parfum de bonne odeur est là. Même si ta situation sont mauvaises, alléluia, oh, laisse-moi t'annoncer, te dire que le Saint-Esprit cherche les situations et qui sont décomposées, les situations qui sont pourries, les situations dont on jette plus les regards, les situations dont on classe dessus, alléluia, le Saint-Esprit est là, il ramènera à la vie, alléluia, il restaurera, Rebosaya, même s'il y a une décomposition avancée, mais le Saint-Esprit est capable, Rebosaya, de restaurer, Rabacheke, de remettre quelque chose à l'état initial, de remettre une relation, de remettre, bien-aimé, selon les affaires, de remettre, bien-aimé, selon les projets, de remettre, bien-aimé, à l'état initial, au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est l'Esprit de la résurrection. Le Saint-Esprit, Yabarebo, il cherche une situation, alléluia. Il ne cherche pas des situations qui sont bien portantes. Non, le Saint-Esprit est là. Il cherche des situations désespérées, des situations compromises, alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un et qui a passé toute la nuit dernière en pleurant? Est-ce que je parle à quelqu'un et qui est tout le temps dans une inquiétude? Est-ce que je parle à une personne, alléluia, qui s'inquiète beaucoup et qui manque de paix, alléluia, le Saint-Esprit est là. Je t'annonce, l'Esprit qui a ressuscité Christ, il est là, bien-aimé, dans ce live, alléluia. Si tu le crois, il te vise, il t'impacte là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la forme de la situation, le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas moi, je parle du Saint-Esprit. Et Amarebosa, oh oh, je ne parle pas de l'Esprit de la famille, je parle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il n'a pas de frontières, oh. Il n'a pas besoin d'un visa. Pendant que je suis en train de proclamer, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est déjà arrivé. Oh, 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 il n'a pas besoin d'un temps de voyage. Il n'a pas besoin du tic-tac. Il est avec toi. Il agit avec toi. Alléluia. Son action est manifeste. Et Yabarevoske, pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit commence à travailler. Le Saint-Esprit commence à travailler. Là où la mort s'était installée, là où la mort avait gagné, là où les choses sont arrêtées, stagnées, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh, quelle que soit la forme du tombeau, quelle que soit, bien-aimé dans le Seigneur, la nature du cimetière, le Saint-Esprit ira là-bas. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Il a besoin d'aller là où les choses ne fonctionnent plus. Jésus a besoin d'aller là-bas. Il dira à Marthe, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Alléluia. Laisse que ce soit, oh, l'Esprit de Jésus-Christ aille là où il y a le problème, là où ça sent mauvais, là où ça ne marche plus, là où on avait dit que non, toi tu ne passeras pas, ça ne marchera pas pour toi, alléluia. Jésus demande à quelqu'un, où est-ce que ça ne marche pas? Yabarebo Santa, yabarebo sekete, Marie Cabro, yabamamamama sekete bro, et Karabroska, ils avaient dit qu'ils vont tout retirer, ils vont retirer les entrailles, ils vont retirer tout, alléluia, il ne restera plus rien, mais laisse-moi t'annoncer, et quand il y a la résurrection,
La résurrection, alléluia, c'est le refleurissement. La résurrection et la restauration, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, Marie Bosque? Le Saint-Esprit est déjà là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, comprends qu'il a déjà agi. Comprends qu'il est déjà en train d'agir. Le Saint-Esprit, là où les médecins ont dit, ils ont diagnostiqué que nous allons opérer. Il n'y a plus rien à faire. Si on n'opère pas, ça ne marchera pas. Laisse-moi t'annoncer que l'Esprit de la résurrection va restaurer cet organe, va restaurer ce membre, va restaurer ton cœur, va restaurer les articulations, va restaurer les poumons. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car je suis la vie et la résurrection. La résurrection et la vie. Je te parle de l'esprit de la résurrection. Je te parle de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tout dépend de ta disposition. Tout dépend de la capacité à croire. Au nom de Jésus, je t'invite à croire que maintenant même, à l'instant même, l'esprit de la résurrection est en action et à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Et Yabarebo Saya, oh, le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il est déjà entré là où il y a ton problème. Il est déjà entré. Il est en train de travailler. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois simplement, alléluia, sans voir que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, partagez, bien-aimé, partagez, cela veut partager. Oh, Yabarebo, Sakarabashekete, et Yabarebo, Ske, alléluia. Tu as peut-être une personne de la famille, alléluia, qui est clouée sur un lit, qui est hospitalisée. Oh, quelque chose qui ne marche plus, bien-aimé, dans la famille, alléluia. Il n'y a plus d'amour. Le Saint-Esprit est là pour raviver, pour ressusciter, pour réveiller, pour relever. Et Yabarebo, Santa. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Saint-Esprit, oh j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me suffit, l'Esprit de Dieu me suffit. Prenez-moi tout ce que vous voulez, laissez-moi avec le Saint-Esprit. Prenez tout ce que vous voulez, je peux dormir dehors, mais laissez-moi avec le Saint-Esprit, alléluia. Korabacheke, car le Saint-Esprit est la source de tout. Prenez-moi tout, mais laissez-moi la source, alléluia. Prenez tout, laissez-moi la source. La source est le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Rabashaya. Merci pour la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les policiers, les soldats avaient pris le soin de sceller le tombeau de Jésus. Ils ont posé une grosse pierre. Ils l'ont scellé. Inviolable. Hey, Yabarebo Satan. Mais ils n'ont pas compris. Quand le temps a sonné, j'annonce à quelqu'un que le temps a sonné. Ah, il y a un temps pour chaque chose. Je viens t'annoncer. Alléluia. Oh, Dieu me dit de te dire que le temps a sonné. Rebosaya, le temps a sonné, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, quels que soient les démons qui contrôlent ta vie, quelles que soient les autorités, quels que soient, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ils ne comprendront pas de quelle manière tu sortiras de leur système, de quelle manière tu ne seras plus là où ils t'avaient emprisonné, de quelle manière tu sortiras. Hey, Yabarebosada, ils ne comprendront plus, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit quand il opère. Alléluia. Marie Keteya, hey, la Bible déclare, alléluia, un ange vint du ciel rouler la pierre, alléluia. Pendant que je suis en train de parler, laisse que l'ange de l'Éternel roule cette pierre, brise les verrous, brise les chaînes, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, quels que soient les tombeaux, il y a des tombeaux dans les airs, il y a des tombeaux dans les forêts, il y a des tombeaux dans les parcelles familiale. Il y a des tombeaux dans les eaux. Il y a des tombeaux partout, bien-aimé. Que ce soit au cimetière, quel que soit l'endroit. Oh, l'Esprit de l'Éternel va te localiser. Le Saint-Esprit ira là où il n'y a plus d'ossement. Là où il n'y a plus que d'ossement. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de redonner le corps à ce qui n'a plus de corps. Alléluia. Il l'a fait dans Ézéchiel 37. Yahweh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia. Il est le restaurateur
Rebosaya, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le sein de Sarah n'avait plus rien. Le sein de Sarah était pourri. Le sein de Sarah était ménopausé. Oh Rabashaka Reboske. Mais l'esprit de la régénération, l'esprit de la restauration, l'esprit de la résurrection, Rabaseke, a régénéré le sein de Sarah et l'a rendu capable de concevoir et d'enfanter. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je prie que l'esprit de la résurrection te localise. Le Saint-Esprit localise ta maison. Le Saint-Esprit localise tes projets. Le Saint-Esprit localise ta santé. Le Saint-Esprit localise ton mari, ta femme et tes enfants. Le Saint-Esprit te localise ton travail. Localise tes finances. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu remarques? Les finances ne marchent plus. La mort est entrée. La sécheresse est une mort. Et Yabaribosata, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer. Saint-Esprit de Dieu, localise le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Marie Brossé, que le Saint-Esprit localise tes relations. Les relations ne tiennent plus. Tu l'as remarqué depuis l'année dernière. Ça ne tient plus. Cet homme ne parle plus bien. Cet homme ne décoche plus le téléphone. Alléluia. Oh, je prie, je déclare en levant ma main. C'est le temps de la restauration. Yahweh, Yahweh, restaure cette relation. Restaure cette famille. Restaure des vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Marie Kete Abrou. Et Abarebo Santa. Attends-toi à un coup de fil. Attends-toi à un appel. Au nom de Jésus. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Yabra Katabroske. Quand la résurrection arrive. Alléluia. Les liens doivent tomber. Le corps de Jésus avait été enveloppé, bien aimé le Seigneur, dans des langes. Mais quand le temps de la résurrection est arrivé, Yabarebroske, alléluia. Il a été délié. Il a été délié. Il ne s'est pas délié tout seul. Alléluia. Mais un ange mandaté, alléluia, a pris le soin de délier son corps. Pendant que je suis en train de parler, laisse que l'ange de l'Éternel commence à délier. Et tout ce qu'on avait lié en toi, tout ce qu'on avait enroulé en toi, devienne déroulé, devienne délié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chabrakate brosse. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acclamons le roi de gloire, le grand roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'hésitez pas de partager ce temps de live et de connexion, amen. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Oh, tu es béni, toi qui acclames, toi qui partages, toi qui like, toi qui aimes, Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, amen. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu, alléluia, bien-aimé, nous allons entrer dans notre temps de partage, amen. Notre temps d'exhortation, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons tâcher à ne pas déborder, bien-aimé, dans le Seigneur. Et dès que 23h30 ou même avant, nous allons chuter, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Et pour laisser chacun de vaquer à ses occupations, peut-être aller se reposer et pour mieux aborder la journée de demain et en pleine forme. Amen. Dis amen. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Et alors, je dévoile le thème de l'exhortation, bien-aimé le Seigneur. Déverrouiller les situations difficiles. Déverrouiller les situations difficiles. Déverrouiller les situations difficiles. Là est le thème de l'exhortation. Déverrouiller les situations difficiles, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous allons lire un seul texte. Amen. Nous allons lire un seul texte dans le psaume 107. Amen. Dans le psaume 107, de 13 à 16. La lecture ne sera pas longue, bien-aimé, dans le Seigneur. Le psaume 107, des versets 13 jusqu'à 16.
Des versets 13 jusqu'à 16, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que on peut soit béni, mon fils, ancien briquet. Amen. Que Dieu te bénisse. Déverrouiller les situations difficiles. Oh yes. Alléluia. Déverrouiller les situations difficiles. Yes. Psaume 107, 13 à 16, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimés. Je me remets simplement sur la page. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Alléluia. Je sens la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 107, de 13 à 16, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 16. Car il a brisé les portes des rats, il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Oh, verset 16, écoute bien, bien-aimé. Car il a brisé les portes des rats et il a rompu les verrous de fer. Nous avons dit, bien-aimé, nous avons donné pour thème déverrouiller les situations difficiles. Là où on avait posé les verrous, nous allons déverrouiller au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Sois béni, servant de Dieu. Sylvie Aponga. Ouais, c'est ça. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse. Oh yes, que Dieu te bénisse. Rabba Sheke. J'espère qu'on entend mieux. J'ai baissé un peu le fond sonore, bien-aimé. Excusez-moi, excusez-moi. Amen. Alléluia. Reba Shandarebro. Marie Katabro Sekete. Alléluia. Déverrouiller les situations difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons très bien que dans notre vie de tous les jours, bien-aimé, et peut-être que depuis un certain temps, peut-être que depuis quelques années, et tu sens des blocages partout. Tu sens que partout c'est fermé. Amen. Toutes les portes sont fermées. C'est l'impression et qui te revient, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu n'as pas l'impression d'avancer. Tu n'as pas l'impression d'avancer, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, bien-aimé le Seigneur, est aussi organisé. Alors, ils prennent le soin de poser des verrous. De poser des verrous, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Oh, certainement qu'il y a un domaine dans ta vie où des verrous avaient été posés, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Et Rabashaya, et c'est ce que le Saint-Esprit m'envoie à te dire que ce soir, il va déverrouiller avec toi. Nous allons déverrouiller, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Nous allons faire sauter les verrous. Rebosaya. Faire sauter les verrous. S'il faut les dynamiter par la puissance du Saint-Esprit, nous allons les dynamiter. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur, quand l'occasion t'est donnée à prier, à mener un combat spirituel, bien-aimé, ne rigole pas. Révolte-toi, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi tout ce temps je l'ai perdu? Pourquoi ma vie a été bloquée? Pourquoi les portes ont été fermées? Alléluia. Qui a fermé les portes? Mais ce soir, nous allons dynamiter les verrous. Alléluia. Nous allons les dynamiter, Rebosaya, par la puissance du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et Yaba Rebosé, qui a verrouillé, bien-aimé? Qu'est-ce qui a été verrouillé? Tu peux voir une femme, bien-aimé, le Seigneur, alléluia, alléluia, qui est dans un mariage et glorieux, bien-aimé, le Seigneur. Mais l'ennemi a verrouillé la fécondation. L'ennemi a verrouillé les entrailles. Impossible de tomber enceinte. Qui a posé ce verrou? Qui a posé ce verrou? Pourquoi ça ne marche pas? Aïe, 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 aïe. Je sens la révolte spirituelle. Yabare katabro.
Alléluia. Yabare. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Qui a fermé ma vie? Qui a fermé ma vie, bien-aimé le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit leur sorcellerie, quelle que soit la dimension, le degré, le niveau de sorcellerie, mais ce soir, alléluia, dynamité. Alléluia. Nous allons envoyer des dynamites spirituelles. Alléluia. Il faut dynamiser, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Tous les domaines où ils ont fermé, Yabarebosa, les choses n'avancent pas. Bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans tes relations? Qui a fermé tes relations? Qui a fermé la vie de tes enfants? Qui a fermé leur scolarité? Qui a fermé leur avenir, leur futur? Qui a fermé, bien-aimé le Seigneur? Pourquoi tu n'avances pas spirituellement? Qui a bloqué ta spiritualité? Qui a bloqué ta vie chrétienne? Alléluia. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je sais que le péché peut poser des verrous. Je le sais. Mais est-ce que c'est tout le temps le péché? Alléluia. Mais ça peut venir aussi de partout, de la famille, de la société, des relations que nous avons eues, bien-aimé. Qui a poser les verrous dans ta vie. Et Yakarabasha, c'est des choses que nous vivons, bien-aimés, au quotidien. C'est des choses aujourd'hui, des fois, qui nous ôtent la paix, qui nous retirent le repos, bien-aimés, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ton travail? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es stagné? Pourquoi tu n'avances plus? Pourquoi il n'y a pas de promotion? Écoutez, il y a des gens qui ont commencé à travailler, mais n'ont jamais obtenu aucune promotion. Pourquoi? Parce qu'on avait posé les verrous. Alléluia. Le problème ne vient même pas de ton patron, bien-aimé. Alléluia. Irabacha. Mais des fois, les patrons ne sont pour rien. Ils sont utilisés et par les démons qui avaient posé le système de verrouillage. Un système de verrouillage. Eh, Yabarebo. Oh, bien-aimé, nous allons faire sauter tout le système de verrouillage des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Eh, Yabarebo, Saya, Marie Katabroske. Je peux aller postuler, alléluia, mais avec le bagage que j'ai, avec un CV, mon curriculum vitae est bien étoffé, bien chargé, alléluia, mais à cause des verrous, ils me promettent seulement de m'appeler, mais ils ne m'appellent jamais. Qu'est-ce qui se passe? Hey, chaparabo, c'est que pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'aider une personne, alléluia, à se retrouver bien-aimée et à reconnaître ses difficultés, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia, alléluia. La Bible me dit que car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Quelle que soit la nature des verrous, nous allons les rompre, les dynamiter. Yakarabrosé. Je suis en colère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, il y en a assez, bien-aimés. Il y en a assez. Rebo Sakata, Marie Keteya, Marebo. Qui est entré, bien-aimé, dans ma famille? Alléluia. Qui est entré dans ma famille? Bien-aimé. Alléluia. Quelle que soit la porte par laquelle ils sont entrés. Ah, mais Dieu suscite une personne dans une famille pour tout dynamiser. Et Karabasa, pour tout faire sauter. Au nom de Jésus. Yabare Katabroske. Qu'advienne que pourra. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a des gens de ma famille, bien-aimés, qui se sont associés pour poser les verrous, alors qu'on ça dynamise, alléluia, 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 ça saute de partout, alléluia, ça saute de partout. Tant pis pour la personne, tant pis pour ceux qui sont à l'origine de ma souffrance. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia, opération dynamite, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les verrous doivent sauter. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi mes démarches n'avancent pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourtant, des fois, mon dossier est plus que complet. Le dossier est plus que complet, mais tu verras que on demande encore ça. Non, vous savez, il faut encore ça. Qui a bloqué? Qui a verrouillé? Alléluia! Ce soir, opération dynamite. Au nom de Jésus. Alléluia! Tant pis, bien-aimé, tant pis. Tant pis, bien-aimé. S'il y aura des tombés, eh bien, ils tomberont au nom de Jésus. Ce n'est pas mon souhait. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit opère, alléluia, la dynamite du Saint-Esprit exerce aussi un jugement. Alléluia. Quand ça va dynamiser, alors le jugement sera exercé.
Alléluia. Les éclats, alors, exercent un jugement bien-aimé dans le Seigneur autour de toi. Attention, attention. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Mais je suis en train d'abord, en fait, de te conscientiser que dans ta vie, il y a des verrous qui ont été posés. Alléluia. Pourquoi mon ministère n'avance pas? Qui a posé les verrous de mon ministère? Alléluia. Pourquoi je ne jouis pas de mon mariage? Je suis marié, mais je ne vis pas le mariage, au contraire, soit je le subis, et ou sinon, c'est-à-dire que la tristesse et tout ça, qui a fermé, bien aimé, quand les verrous sont posés, l'ennemi peut utiliser toutes sortes d'attitudes, de comportements, bien aimé, le Seigneur. Pourquoi? À cause des verrous. Alléluia! Alléluia! Oh, ça va sauter au nom de Jésus. Alléluia! Ça va sauter. Nous allons relâcher les dynamites spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, ribossé. Il y a des verrous, bien aimé, le Seigneur, qui ne s'ouvrent pas par des clés. Hein. Alléluia! Il y a des verrous, il faut faire sauter. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, ribosa karaboske, ta prière va faire sauter les verrous ce soir. On va prier même 5 minutes seulement, alléluia, mais ça sera tellement suffisant, alléluia, et puissant pour faire sauter les verrous. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien sûr que tu es dans la détresse, ça ne marche pas. Regarde comment tu pleures. Alléluia. Eh, Yabare, c'est une détresse. Nous allons crier à l'Éternel. Rebosaka. Nous allons crier à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, assurément, bien-aimé, il va se passer quelque chose. Cette nuit sera une nuit dangereuse pour tes ennemis. Une nuit très dangereuse pour tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la nuit du jugement. La nuit du jugement, bien aimé le Seigneur. Au nom de Jésus, Shababare Katabroske, Maribroske, ils ont crié leur détresse à l'Éternel. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Alléluia. Bien aimé, quand les verrous sont posés, alléluia, ta vie entre dans les ténèbres. Tu expérimentes l'ombre de la mort et qui sont les activités que produise la mort. Alléluia, alléluia. N'est-ce pas que David a dit que même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi le mal alors est autour de toi? Pourquoi tu es assailli par le mal? Bien-aimé le Seigneur, nous allons crier à l'Éternel. Tu vas crier à l'Éternel, alléluia. Yahweh, je n'en peux plus aujourd'hui. Alléluia. Descends maintenant. Yahbarabo, que ton feu descende maintenant et vienne dynamiter. Alléluia. Dynamiser tous les verrous et que l'ennemi a posé, alléluia, dans ma vie, sur ma route, dans mon travail. Pourquoi je n'évolue pas? J'ai toutes les aptitudes et les capacités requises dans mon travail. Pourquoi je n'évolue pas? Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de promotion. Parce qu'on avait posé des verrous. Oh, Yabashakara, je refuse cette situation et je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce au statu quo. C'est-à-dire que le même état, la même condition, ça fait combien de temps? En 2023, 2022. Alors, autrefois, on a attribué tout au Covid. Le Covid est passé, le même état. Non, non, non. Il y en a assez. Opération dynamite. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Eyabarebo sakata. Maribro sekete. Eyabarebo. Écoutez, l'ennemi n'entend que l'autorité. Il n'entend que la force. Alléluia. Ekaraboska. L'ennemi n'entend que la force. Alléluia. Nous allons employer la force. Au nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus parlait avec autorité. Yakarebro saya. Mariketebra. Rondobo sheketebro. Yabarebroske. Mais bien sûr, oui, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Alléluia. Bon, mais pourquoi tu es atteint maintenant? Pourquoi tu es atteint aujourd'hui? Alléluia. Alors, il y en a marre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh, qui a verrouillé? Pourquoi je ne tombe pas enceinte? Pourquoi je ne conçois pas? Qui a verrouillé mes entrailles? Qui a verrouillé ma fécondation, ma fécondité? Qui a verrouillé ma conception? Qui a verrouillé? Alléluia. Oh Rabba, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne bien-aimée? Alléluia. Oh, nous allons bientôt prier, bien-aimé. Ribosaka tabro. Yeyaba ribosaka. Qui a verrouillé, bien-aimé? Pourquoi ça n'avance pas?
Quand c'est verrouillé, il n'y a pas d'avancement. Alléluia. Quand c'est verrouillé, il y a stagnation. Alléluia. Alléluia. Tu fais du surplace. Quand c'est verrouillé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, arrête d'accuser tout le monde. Arrête d'accuser tout le monde. Tout ce que je sais. Alléluia. Il y a un jeune homme qui a payé un prix à la croix. Alléluia. Il a payé le prix. Il a été verrouillé de partout à ma place. Il a accepté de mourir le troisième jour. Alléluia. Le Père a dynamité la pierre qu'on avait posée sur son tombeau. Il est sorti du tombeau. Alléluia. De la manière dont Jésus est sorti du tombeau, ce soir tu sortiras. Tu sortiras. Alléluia. Retenez la date de ce soir, de ce jour. Le 5 mars 2024. Alléluia. Il y a des choses qui reprendront vie. Il y a des choses qui reviendront à la vie. Il y a des choses qui se relèveront. Tout ce qui était couché, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était verrouillé. Alléluia. Oh, à partir d'aujourd'hui, Marébroské, opération Marébosaya. Au nom de Jésus-Christ, oh, sois béni, mon fils Abimaël, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, yes, au nom de Jésus-Christ, ribo sakarabaché, au nom de Jésus-Christ, tu témoigneras la gloire de l'Éternel, tu témoigneras le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ est très puissant, au nom de Jésus-Christ, alléluia, maribro sekete, yonoroboché, bien sûr, maman, alléluia, restauration complète par la puissance de la résurrection. Alléluia, le mois de mars, alléluia. Les gens passent beaucoup de temps à parler mois de la femme, on oublie que c'est le temps de la résurrection, c'est le troisième mois, le chiffre 3, alléluia, est celui de la restauration. Attention à la distraction, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, Yabare Bosque, commence à claquer les doigts, à taper les mains, à taper Rabache Kerebo, Maribro Sekerebo. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de la résurrection, le feu de la résurrection, le feu de la résurrection. Et Yabare Bosanta, Emilienne, Orobo Shekete Broske, appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit. Esprit, Yahweh, j'ai besoin de sauter, je n'en peux plus, j'ai besoin de sauter, Saint-Esprit de Dieu, que le feu du Saint-Esprit, que le feu descende maintenant, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, Yakarebo, que le feu descende maintenant, le feu maintenant, Yabarebo, là où tu vas sentir un feu maintenant, le feu est en train de descendre, le feu t'environne, le feu est là, au nom de Jésus-Christ, la puissance du feu, allez maintenant, que le feu du Saint-Esprit commence maintenant, à dynamiter les verrous, à dynamiter les verrous. Les verrous, cite le domaine dans lequel tu remarques un verrou, que le feu du Saint-Esprit aille dynamiser les verrous au nom de Jésus-Christ. Opération dynamisée au nom de Jésus. Yahweh, qu'est-ce qui ne marche plus dans ta maison, dans tes relations? Allez, dynamise, dynamise au nom de Jésus. Les démarches n'avancent pas, le travail n'avance pas. Opération dynamise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, les verrous doivent sauter au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens briser les verrous, viens briser les verrous. Qui ne veut pas que tu avances, qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu sois restauré, le feu vient de dynamiser au nom de Jésus. Et Yabarebosaya, Marie Broske, Ikarabosa, opération dynamite au nom de Jésus. Pourquoi tu es limité? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi ta vie est bloquée? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, feu! Libère le feu! Envoie le feu! Le feu va dynamiser! Le feu va faire sauter le système de verrouillage dans la famille! Tu n'es pas le seul. Tu as des sœurs, des frères qui vivent la même situation. La vie ne marche pas. Alléluia. Dynamisons le système de verrouillage familial. Au nom de Jésus, qui a verrouillé? Iraba Sekerebo, tu n'es pas le seul. Allez, feu. Opération feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Yahweh, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous sommes dans la détresse. Envoie le feu qui vient dynamiser. Qui vient dynamiser tous les verrous.
Au nom de Jésus, au nom de... Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Continue à prier. Yabadebosri. Là où ça ne marche pas, là où les choses n'avancent pas. Et on voit le feu, au nom de Jésus. Allez, faya, Holy Ghost, au nom de Jésus. Et Yahweh, Rebosaya, déblocage aujourd'hui, alléluia. Déverrouillage, déblocage, au nom de Jésus-Christ. Ikaraboske, je vous ai dit, bien-aimé, le Seigneur, alléluia. Retenez, bien-aimé, la date d'aujourd'hui. Ikaraboske, il y a quelque chose qui va se passer, quel que soit l'endroit, quel que soit, bien-aimé, le Seigneur, alléluia, dans les airs, dans la forêt, dans les eaux, dans les cimetières, alléluia. Le feu n'a pas de frontières. Ikaraboske, le feu n'a pas de frontières, le feu n'a pas besoin de visa, au nom de Jésus. Allez briser le verrou, allez briser le verrou, les cadenas, partout où tu es verrouillé, quel que soit le système utilisé, alléluia, même un système à code, le feu du Saint-Esprit, allez, va tout cramer, allez, va tout cramer, au nom de Jésus-Christ, le Yabareboska, le feu, et Yabarebo, là où tout le monde est né, là où tout le monde a été élevé, la parcelle familiale, qu'est-ce qu'ils ont fait autour et au milieu, quel est le système qu'ils ont posé, et pour bloquer, verrouiller la vie, la destinée de tous les enfants, mais ce soir, opération déverrouillage, dynamite, déblocage, au nom de Jésus, Ikaraboske, quel que soit le temps, j'ai dit qu'il y a une chose, alors, il y a un temps pour chaque chose, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux monter encore? Allez, prie encore, prie encore. Quand les verrous sont tombés, ainsi tu pourras sortir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yabarebo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Bien-aimé, maintenant tu vas sortir. Alléluia. Les verrous sont tombés. Les verrous sont tombés, bien-aimé, le Seigneur. Alléluia, dynamite partout, alléluia, il y a des éclats partout, Rebosaya, tu vas sortir maintenant, tu ne seras plus là où on t'avait enfermé, là où on avait verrouillé, bien-aimé, tu vas sortir, Yabarebo, ton étoile va sortir, car l'homme vit par son étoile, cependant si ton étoile a été verrouillée, ah Yabarebo, eh Yabarebo, Sakarabo, Marie Ketebro, en réalité, Rebo, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alors maintenant que tes finances renaissent et revivent, alléluia, au nom de Jésus-Christ, le verrou est tombé, la restauration s'installe et s'établit au nom de Jésus, la restauration de ta maison, de ton foyer, de ton mariage, de tes relations, de tes affaires, les projets restaurés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, allez, déclare la sortie maintenant et de tes finances, la sortie de tes enfants, la sortie de tes relations, déclare la sortie au nom de Jésus-Christ. Bienvenue le Seigneur, dans ton travail, ça va bouger, ça va bouger, ça ne tardera pas, tu vas recevoir un courrier, il y aura un changement, bienvenue le Seigneur, un changement, on t'appellera, là où on ne pouvait plus t'appeler, la mort lâche prise, les liens de la mort lâche prise, parce que le verrou est tombé, au nom de Jésus-Christ, là où la mort avait gagné du terrain, la mort s'était installée maintenant, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Et Yabarebo Santa, j'appelle la vie. Je lève ma main et j'appelle la vie. Que la vie vienne en toi. Que la vie revienne. Que la vie refasse vivre. Rebo Saya, alléluia. Tes entrailles, ton corps, tes organes. Alléluia. La vie de Jésus. La vie de Jésus maintenant. Reçois cette vie dans le nom de Jésus. Et commence à installer la vie. J'installe la vie. J'établis la vie. Là où il n'y avait plus de vie. Là où il n'y avait plus de mouvement. Aïe, 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 aïe. J'ai dit qu'il y a un mouvement qui va s'opérer. Alléluia. Il y a un mouvement qui va s'opérer, Marie Bosque. La vie apporte du mouvement. La mort laisse inerte les choses. La mort, bien-aimé dans le Seigneur, laisse des cadavres partout. Un cadavre ne bouge pas. Un cadavre ne cligne plus les yeux. Un cadavre ne peut plus rien faire. Mais la vie est libérée. Alléluia. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Lazare sort. Aïe, Marie Bosque. Le cadavre a opéré un mouvement. Alléluia. Alors Jésus dit, laissez-le aller. Laissez-le aller, Rebosque.
Alléluia. Laissez-le aller. C'est le mouvement. Allez, c'est le mouvement. Alléluia. Il y a des choses qui vont commencer à marcher en toi. Il y a des choses, Yahba, qui vont se déplacer. Il y a un mouvement va s'opérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Yahba Rebo Sakaraba. Et Yahba Rebo Sekete. Et Yahba Rebo Saka. Établis la vie de mon travail, la vie de mon mariage, dans mes relations, dans les projets, la vie dans les projets. Tes projets n'avaient plus de vie, alléluia. Tes projets n'étaient plus viables, alléluia. Au nom de Jésus, les fausses couches s'arrêtent maintenant. La vie s'installe. L'avortement des bébés, l'avortement des projets, l'avortement des relations. Alléluia. Oh, yabareboske. Nous arrêtons tout cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Eliane, j'arrête tout dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois, cela va s'établir. Toute forme d'avortement, toute forme de fausse couche spirituelle s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut poser sa main sur son ventre? Pose ta main sur le ventre. Je vais déclarer quelque chose. Pose ta main sur le ventre, là où tu es. Yabare, c'est un acte prophétique. Crois simplement, bien aimé le Seigneur. Pose ta main sur ton ventre, au nom de Jésus. Yahweh, je lève ma main et je libère. Je déclare la vie maintenant. Prophétiquement, la vie s'installe. Il y a une semence de vie qui entre en toi maintenant. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, alléluia. Oh, que tous ceux qui ont des maux, des maladies, alléluia. Tu peux poser ta main là où il y a une douleur. Là où peut-être si c'est le cœur, les poumons, pose la gorge, la tête, le dos. Pose ta main. Hey, Yabare Bosque, pose ta main, bien aimé le Seigneur. C'est le temps de la résurrection, le temps du miracle. La résurrection est un miracle. Reçois maintenant ta guérison. Reçois la restauration maintenant et de tes organes. Reçois la résurrection, alléluia. Reçois maintenant la vie. Reçois la guérison et que la puissance du sang de Jésus, allez, entre dans tes membres. Allez, entre dans tes membres. Allez, entre dans tes membres. Et au nom de Jésus-Christ, alléluia. Cela s'établit, Mare Bosque. Je sens une chose, j'ai envie d'entrer dans le téléphone, venir chez toi, à te toucher à Marabashaya. Reçois maintenant, reçois. Oh, le Seigneur est en train de restaurer quelque chose dans ta maison. La restauration. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela, Marie Karabosa. Oh, il y a quelqu'un qui ne va plus supporter à regarder l'écran. Tu ne supporteras plus à regarder l'écran. Au nom de Jésus, reçois la grâce. La grâce de la restauration. La grâce de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, que tes finances soient restaurées, reviennent à la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Yabarebo Santa, alléluia, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, Kapimichu, reçois, Yabarebo Saya, que cela s'établisse et devienne effectif dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rabo Sakarabo. Marie Keteabo. Ndorobo Shekete. Reçois, oh Papa Eloge. Reçois la vie, Yabareboska. Reçois la vie, Yamarebo Santa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu dis Amen, ça s'accomplit. Tu dis Amen, je reçois. Yakarebo. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma fille. Et à Fauche, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois, Emilienne, reçois, reçois. Oh, Papa Eloge, reçois, reçois. Maman Tété, reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois. L'INSER, reçois au nom de Jésus. Yama Rebosque, tous ceux qui sont à Pointe-Noire, tous ceux qui sont en Afrique, au Congo, aux Antilles, recevez au nom de Jésus. Capi, reçois Achel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abimayel, reçois, fils. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh divine, la maman du frère Isaac, reçois. Cela s'établit dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de ton mari. Que le sang de Jésus vous couvre, vous protège et vous garde au nom de Jésus. J'ai envie qu'on reste là encore, que je prie avec vous, mais le temps est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, nous bénissons le nom de l'Éternel. Fauchelia, tu es béni au nom de Jésus.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? N'oubliez pas de partager, bien-aimé dans le Seigneur, de partager ce live. Amen. Et likez. Sois béni, oh mon Père, le commandant Mano Zabana, que Dieu te bénisse. Oh Wilson, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon épouse, la prophétesse. Que Dieu bénisse notre fils Ruben. Et tous nos enfants, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ou d'où que vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous acclamons encore le nom de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Hey, Abari Bruskanta. Opération dynamite. Alléluia. Les systèmes de verrouillage sont tombés. Alléluia. Il y a des éclats partout. Des bouts d'éclats partout, bien-aimés. Alléluia. Tant pis à celui qui avait posé un verrou dans ta vie pour t'empêcher d'avancer. Bien-aimés, il y a des éclats qui ont fait des retours. Et imaginez là où on dynamise des choses. Alléluia. Regardez l'éclat que la dynamite produit dans l'eau quand on dynamise les poissons. Au nom de Jésus, il y en a assez. Assez, c'est la colère, la révolte spirituelle. Au nom de Jésus, sois béni, ancien Achille. Bien-aimés, nous allons donner les programmes de l'église. Bien-aimés, nous sommes le secrétaire d'intercession. Amen. Une église de combat, de victoire, bien-aimée, et de la parole. Nous sommes situés au 40 boulevard de Nel, à Champs-sur-Marne, 77 420, bien-aimée dans le Seigneur, RERA, bien-aimée, dans la direction de Marne-la-Vallée et l'arrêt Champs-sur-Marne. Amen. Nous sommes dans la salle porte 9A. Nous serons là demain mercredi dans un culte d'intercession de la délivrance. Bien-aimés, nous allons encore monter, bien-aimés, de 17h à 19h30. Amen. Si Dieu vous accorde un temps, rejoignez-nous, bien-aimés, et ensemble, nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, la prière et la parole. Vendredi également, les programmes ne changent pas. Dimanche, c'est le culte d'adoration, bien-aimés dans le Seigneur, et nous reviendrons à l'église pour notre montagne du mois de mars, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme vous venez de l'entendre, qu'on parle de la résurrection, il y a quelque chose qui va se passer encore, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous vous donnerons plus de précisions prochainement. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Je bénis cette nuit. Que le sang de Jésus vous garde et vous sécurise et vous protège. Et vous serez alors dans le repos et sans être visité par le malheur, dit la Bible. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse toute ta maison. Je bénis ton travail, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Que tu reçoives une visitation, bien-aimé, dans le Seigneur, glorieuse et prophétique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kapi Michou, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Papa Eloge, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous vous aimons énormément dans le Seigneur. Et maman est à côté de moi. Et nous déclarons ensemble que nous vous aimons dans le Seigneur. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.